Et clic en langage cachalot, ça veut dire faisons un bout de route ensemble. Je m'appelle Yanni et je suis un élève de l'école Jumbert. Aujourd'hui, on va soutenir les scientifiques pour découvrir les cachalots. Je m'appelle Inès et on a fait des poissons avec des cloches pour pouvoir fêter le départ du bateau de François Sarano. C'est important de soutenir parce qu'ils vont aller voir des cachalots et surtout il ne faut pas venir avec des bateaux en moteur parce que ça peut les faire empêcher de venir. C'est important de protéger les océans parce qu'il y a beaucoup de déchets et que les animaux sont en danger. Merci encore une fois à tous d'être ici. On va aller bientôt là à Porquerolles. Les enfants, écoutez bien, vous allez voir ce que cette lettre raconte. Je sens profondément que le sort de l'homme et sa dignité sont en jeu chaque fois que nos splendeurs naturelles, océans, forêts ou éléphants sont menacés de destruction. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureux de vous voir ici parce que ça fait du bien. On est là avec le bateau We Explore pour tous nous faire du bien. Cette année, on célèbre les 60 ans du parc de Porquerolles. Ça a été le premier parc marin pour toute l'Europe. Protéger la planète, c'est le geste déjà quotidien de chacun d'entre nous. Mon engagement, il est né de voir ce que j'aimais profondément, ce qui renfermait toutes mes histoires de famille, être menacée par notre faute à nous en tant qu'espèce. Nous partons étudier au large. C'est pas pour nous amuser, c'est pour encore une fois mieux vivre ensemble, parce qu'on ne peut le faire que si on connaît les besoins des autres, si on connaît la place qu'il faut leur laisser. Nous vous souhaitons une très belle aventure en mer Méditerranée. Oh. Laurent, non. Qu'on coopère et ben voilà, c'est amener un peu de passion bleue sur l'eau toute l'année. La nature qui nous entoure, elle fait partie de nous, elle nous est donnée et nous avons aussi la responsabilité de la faire aimer, d'en parler et de la protéger. L'oubli, c'est la pire des choses. Les gens oublient la nature aujourd'hui. Il est encore possible de faire énormément de choses, mais ça dépend de nous.